Et salut à tous et bienvenue dans cette série sur Pokémon version rouge en Nuzlocke Challenge. Alors comme promis dans l'épisode précédent, à cause d'un trop haut taux de coups critiques, j'ai décidé de monter mon équipe grâce à un cheat qui donne des super bonbons au level 60. Je sais, c'est pas très fair play, mais le jeu m'a bien cassé les couilles et il faut dire qu'à ce stade du jeu, c'est pas le moment de me casser les couilles. Voici mon équipe, en détail, parce que level 60, c'est un niveau assez bas pour la ligue. Je ne sais pas si je vais réussir. D'ailleurs, je vais mettre à jour le... D'ailleurs, je viens de... Je tourne à la suite et je viens de me rendre compte que le layout n'est pas complet. Je vais tout de suite le faire. Voilà, ceci est fait. Je vais donc vous présenter l'équipe que vous voyez dans le layout. Parce qu'il faut savoir que je l'ai passé level 60, c'était obligé. Donc voilà, chose promise, chose due. Cascade a pas trop changé. Toujours les mêmes attaques. Cancun, c'est pareil. Crypto, c'est pareil. Par contre, c'est là que ça change. La boule. D'ailleurs, je vais mettre déflagration à Crypto, il en a besoin. Donc, la boule, qui est le Ronflex, a Damoclès, Amnésie, Repos et Plaquage. TNT, donc le Smogogo, qui a Charge, Purée de Poids, Détritus et Brouillard. Et malheureusement, pas de très bonnes attaques. Et Entei, le Tentacruel. Putain, pourquoi il croise les bras? Putain, on dirait un villageois de Minecraft, quoi. Avec Constriction, donc une attaque cheatée dans la première génération, vu qu'elle empêche l'autre d'attaquer. Ultrason, Hydrocanon et Darvenin. En gros, il a une vitesse pas trop dégueulasse. Alors, ça veut dire que je peux faire Constriction à chaque fois et je peux empêcher l'autre d'attaquer. Donc, j'ai gagné, quoi. J'ai gagné le jeu. Et nous allons tout de suite rentrer dans cette maudite route de victoire. Oh, tu as le badge de roche. Tu peux passer. Alors, je sais pas si vous vous souvenez dans ma série sur version bleue. Quand on allait ici et qu'on n'avait pas le badge roche, le mec il disait oh, tu n'as pas le badge roche. Je sais, la loi est dure. Merci, merci, merci le jeu. On ne passe que sur présentation d'un badge cascade. Sans espace pour faire plus joli. Oh, mais c'est le badge cascade. Ok, tu peux passer. Je crois qu'ils n'avaient pas assez de place pour écrire les caractères. Par contre, la musique est stylée. Badge foudre. Oh, mais c'est le badge foudre. Oh, c'est les mêmes dialogues à chaque fois. C'est pas intéressant. Ah oui, mais le mec, il se retourne même pas, quoi. Ah ouais. Genre, le mec, il peut te voir. Le mec, il a un angle de vue de 180 degrés. Le mec, il te voit, quoi. C'est genre le mec, je suis derrière lui. Ah non, il se tourne quand même. Tu vois? Tiens, hey, on peut refaire l'événement. Hey, on peut faire repop le truc. C'est inutile, mais putain, qu'est-ce que ça sert à rien? C'est drôle. Là, par contre, c'est moins génial. Attends, mais c'est un nageur lambda? Mais non, t'es pas censé le contrôler, toi. Putain, mais on dirait la SNCF, quoi. Lâchez-moi! En fait, en plein milieu de l'aventure, je pourrais déjà y aller sans avoir tous les badges. C'est ça, en fait. Bon, ici, il y a une zone. Est-ce qu'on se la fait? Est-ce qu'on se la fait pas? Je ne sais pas. J'ai pas les balls qu'il faut pour, c'est vrai. Faut que j'aille en acheter. Là, je vais faire ça. C'est pas une mauvaise idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement faire une petite ellipse. Le temps d'aller chercher des balls. Je vais en acheter un petit paquet. Et on se retrouve ici pour faire la capture de la zone.
À tout de suite. Re, me revoilà. Merde. Ah, excusez-moi. Oh. J'avais appuyé sur... J'avais appuyé sur échappe sans faire exprès. Ça agrandit l'écran. Et c'est pas ce que je voulais en fait. Du coup, ça a fait n'importe quoi. C'est pour ça que vous avez vu l'écran changer. Donc voilà, c'est surtout l'habitude d'Elsword quand j'appuie sur échappe. Et donc, dans ce cas, nous allons capturer un Pokémon. Alors, on va mettre... on va juste apprendre des flagrations. On va juste apprendre quelques compétences. Oh bah toi tu peux, alors vas-y fais-le. Là faut pas spammer parce que sinon ça enlève tout de suite. Voilà, ça. Honnêtement il a assez de défense, hein. Il n'a pas la peine d'en avoir plus. Hein. Ça c'est Blizzard. Oh, ça peut être intéressant. Ah, Entei il peut l'apprendre. Ouais. Darvenin, on enlève puisque Constriction c'est trop cheat. C'est comme ligotage. Mais vu que l'autre il peut pas attaquer pendant ce temps, bah c'est trop cheat. Lance soleil, non. Déflagration, oui. Bah on va enlever Flamèche. Normalement il reste toxique quelque part, non? Abîme. Oh. Intéressant. Ça peut toujours servir. Tu me diras, repos, j'ai pas vraiment... Mais j'ai que des hyper potions. J'ai rien pour soigner. Ouais, donc ça sert à rien. Vu qu'ils peuvent pas tenir d'objet non plus, on verra ça dans une autre version. Voilà. Pour ça, j'ai plus de chances de gagner. Mais bon, faut savoir que les attaques peuvent tout rater. Elles peuvent toutes rater comme elles peuvent toutes réussir, mais faut avoir une bonne grosse chance. J'avais déjà utilisé Toxic ? Ah merde ! Oh bah tant pis. Pokémon, c'est parti ! Attends, c'est pas le bon que j'ai sur moi. J'en ai pas un qui... non. Ah si, brouillard ! Pour baisser la précision. Ou toi, je sais pas. Non, j'ai pas eu le temps de voir. Ah, toi, c'est peut-être mieux. Parce que vu que tu peux mettre ultrason, c'est plus facile d'attraper, je crois. Vas-y. Alors, ça sera qui? Ça sera qui? Ça sera qui? Métamorphe, t'es sérieux? Bon. Bah écoute, c'est gratuit. J'en ai trouvé un sur la route qui est à côté de Parmani, d'ailleurs. Ultrason! Et j'ai raté. Morphing. Ah oui, c'est bien que je fasse ultrason parce qu'il va utiliser les mêmes attaques que moi. Ben, j'ai constriction, donc j'ai intérêt à ce qu'il... Voilà, ça commence déjà. Mais lui, il a pas le... Il a pas le... Le boost. Il est pas type haut, lui. Il est toujours type normal. Il copie pas le type. Mais allez. Et voilà, ça y est, il l'a fait. Hein? Ah si, constriction, je peux attaquer pendant qu'il fait. Ah, alors c'est que ligotage. Oh zut. Donc là, il est dingue. On peut utiliser la Super Bowl. Donc j'ai fait quelques achats. Et j'ai 38 max repousse. Deux, j'en ai utilisé deux pour revenir ici parce que j'en pouvais plus des topiqueurs. 30 hyper potions. Et 30 hyper balls. Les hyperboles ne se vendent pas à Jadiel. J'ai dû aller à Parmani. Et comme je ne voulais pas passer par les illécumes, eh ben j'ai fait tout le tour. Parce que les illécumes, j'avais pas envie d'y aller. Mais alors, mais pas du tout. Vous manquez le... Mais non, tu manques pas le Pokémon. De toute façon, il va crever tout seul. Mais d'où je manque le Pokémon, quoi? Allez! J'aime pas ça!
Ah, quoique, si c'est pas très efficace. Ah, si, je crois qu'il prend le type aussi. Peut toujours essayer un blizzard. Vu que c'est pas très efficace. Si on le perd, tant pis, hein, c'est pas grave, parce que métamorphe, c'est nul. Ok, je peux encore en faire. Ah ouais. Métamorphe, c'est nul. Je peux encore l'attaquer une fois. Putain, les captures de Pokémon sont chelous! Putain de coup critique, je te hais! Mais c'est pas possible, le coup critique est 10 fois plus présent dans ce jeu-là que dans tous les autres! Putain, mais je... Je hais ce coup critique de mes... Et j'ai plus de joker, donc je ne peux pas recommencer. Bon, ça va, c'était pas une énorme perte. Oh putain, les cailloux. Oh non. Ah, ça commence. Ah bah oui, c'est la zone, c'est vrai, Onyx. J'en avais pas capturé, hein. Non, bon, bah on va le capturer. Alors... Non, c'est super efficace! J'avais oublié! Bon, bah tant pis. C'est pas grave, hein. C'est pas une grosse perte. Non. Si ça avait été un Onyx qui pouvait évoluer en Steelix, là j'aurais peut-être un petit peu fustigé. Mais là, bon, on est dans les premières générations, donc c'est pas une grosse perte. Bon, bah dans ce cas, j'utilise des Max Repousse. Alors. Il y avait encore une énigme, je ne me rappelle plus de l'énigme, donc c'est pas ce caillou-là qu'il faut se déplacer. C'est pas... Ah oui, c'est vrai, il y avait un truc de... Ouais, je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle. Il faut force! Et j'ai pas force. Oh non, c'est pas vrai. J'ai pas force. Oh purée, non! C'est chiant, force! Alors vous savez quoi? Je vais chercher un Pokémon avec force. Et on se retrouve tout de suite! Et on se retrouve sur cette dent. On se retrouve pour l'épisode, donc on va le finir. On est quasiment à la moitié. J'ai utilisé mon... J'ai Taignon. J'ai récupéré Taignon. Il est mort, je sais, mais il utilise force. Bon, vous m'excuserez de temps en temps, hein, j'accélère un peu parce que bon, c'est long. Et merde. On sort. J'essaye d'aller un peu vite parce que c'est chiant et c'est... C'est long, l'animation. On essaye de pas aller trop vite sur la fin. Parce que vous voyez que c'est un peu long. Voilà. Et du coup, le machin qui était là avait disparu. Donc là, j'utilise vraiment le bouton magique pour aller plus vite. Hein. Il y en a besoin. Ok, il y a un dresseur, on va l'éviter. Ah oui, là, je dois choisir un des deux objets, c'est vrai. Ah bah, j'ai pas pris le mauvais. Mais bon. Il suffit de sortir, de re-rentrer, et puis voilà. On va essayer de se choper le deuxième, tiens. Oh merde! Est-ce que le machin... Ah, il est parti, c'est bon, il n'y a plus besoin de remettre le rocher en place. Voyons voir ce que c'était que l'autre objet. Putain. Heureusement que maintenant, en cliquant sur les rochers, force s'utilise automatiquement, parce que c'est saoulant. Hein. Ouais, une CT. Sans plus, quoi. Oh, purée. Oh, vous savez quoi? On va accélérer un peu cette route victoire, parce que je trouve qu'on l'a assez vue. Oh. Voilà. Carabaf. Finalement, Constriction, c'était de la merde. Parce que sans faire exprès, j'avais viré sans faire exprès ligotage. Et j'aurais pas dû. Quoi?
Évidemment, on va pas utiliser Tainion. Voilà. Donc, on se souvient. Là, on peut rien faire. Là, on peut faire. C'était par là. Voilà. Et bien sûr. On va éviter d'utiliser lui. Qui avait Psycho? Ah bah oui, la boule, mais il est dans le PC. Voilà, ça fait mal ça. J'avance un peu les combats pour aller un peu plus vite, parce que bon... À peine rentré dedans, cette route victoire me saoule déjà, parce qu'il y a des cailloux partout. Malheureusement, même dans le remake HDSS, il y a aussi des cailloux partout. J'aime pas les cailloux. Malheureusement, il y en a dans quasiment toutes les routes victoires, excepté ON. Il n'y en a pas. Alors, ici. Où est-ce qu'on doit aller? On fait le tour. Hop là. Bon, on veut pas l'objet, on s'en fiche. C'était pas un truc qu'il fallait pousser jusqu'au bout, il me semble. Oh, purée, si! Oh non! Ah ouais, effectivement, faut que je le pousse jusqu'au bout, celui-là. Allez, c'est parti! Pokémon! Je choisis Force et... Alors... Ouais! J'ai fait la connerie du siècle! Bon. On réessaye. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Oh, là il y a Sulfura, mais on va pas le faire. De toute façon, j'ai déjà fait la zone, donc trop tard. Je suis pas venu pour lui, donc on s'en fiche. Au pire, je peux même aller le buter, mais bon. Sert à rien. Sert à rien! J'étais pas venu pour Sulfura à la base. Non. Mais je vais pas le faire, Sulfura. C'est pas que je vire les Pokémon légendaires du Nuzlocke, ils sont autorisés, mais j'en veux pas. J'ai juste pas envie. Tout simplement. Il est où le truc? Il est là. Ah mais attends, mais je suis déjà passé par là. Ah là. Là aussi je suis déjà passé. Oh là. C'est pas du tout le bon coin. Ah, fuck! Bon, bah j'ai pas le choix. À moins que... Ah! J'ai rien dit. En fait, ce coin-là n'est pas du tout celui que je reconnaissais. Je crois que c'est pas celui-là. Attendez. En tout cas, c'est pas le truc qu'on avait au tout début. Peut-être que je suis déjà passé par là, mais sinon... Vous savez quoi? Au pire, je regarde les Solus, hein. Y a pas de problème. Ah oui, je suis déjà passé par là, bon. On s'en fiche. Voilà, le caillou fallait le déplacer ici, c'est bien ce que je pensais. Mais alors, il est où le caillou? On a enterré plein. C'est de la merde ce sac.
Putain, Ragayou aussi a aussi un sprite dégueulasse. Putain, il a des testicules sur le front, quoi. Putain, mais pauvre Ragayou, quoi. Vous l'avez massacré. Et dire que c'est Junichi Masuda qui a fait ça à l'époque. Merde, pas ça que je voulais faire. Il y a encore le caillou. T'es où le caillou? Non, mais... Ah, je veux pas que tu descendes. Oui, c'est là qu'il faut que je passe. Mais pour ça, il faut que je mette le rocher là-dessus. Mais... Ah, j'ai compris! En fait, il faut faire tomber un rocher ici. Ok, alors il est où le trou? Donc là, on a le rocher. Enfin... Attends. Attends, laissez-moi checker. Ouais, non, c'est pas du tout par là en fait. C'est pas du tout. Mais alors, mais pas du tout par là. Normalement, t'es censé faire tomber un rocher. Et le trou se trouve là derrière. Il est là. Regardez, vous voyez, il est là le rocher. Il faut encore qu'on monte. Mais est-ce que vous voyez une autre échelle pour monter? Pas moi. Attendez, on va passer par là. Ouais, voilà. Voilà, c'était par là. Voilà, c'était ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire tomber ce rocher, aller dans le trou, et puis logiquement, c'est la sortie. Logiquement, après, t'as que des échelles pour sortir. Ah, ça c'est bien. Par contre, on a plus force, ça c'est chiant. Dès que tu changes des tâches, tu dois remettre force. C'est chiant. Alors. Voilà. Et voilà, voilà. Sorti. Nous voici à la Ligue Pokémon. Oh, seulement 21 minutes. Eh ben dis donc, c'était rapide la route victoire. Bon, faut dire que là, je suis niveau 60 avec tous mes Pokémon. On peut toujours essayer, mais 65, hein, les Pokémon de Blue. Bon, déjà, on va mettre notre spawn ici. Comme ça, si jamais je crève ou que je fais tunnel par erreur, parce que ça m'est déjà beaucoup arrivé, en off, au lieu d'utiliser surf, comme j'ai cliqué trop vite, bah ça a ripé et c'est passé sur tunnel, donc du coup je me suis retrouvé à Jadiel alors que j'étais presque à Parmalee. Donc du coup j'ai dû refaire tout le chemin pour récupérer ces putains de bols. Donc, et aussi pour récupérer la dent d'or pour avoir force, parce que j'avais pas force. Donc voilà, quand tu fais tunnel par erreur et que tu te retrouves à l'autre bout de la région alors que t'as pas vol, ben, tu vois que tu l'as un peu dans le fion. Hein. Alors ici, on va acheter quelques guérisons. Oh tiens, je vais acheter... Bon, je m'en fous, je suis tuné, donc on va utiliser tout mon argent. De toute façon, vous savez quoi? Je vais vendre mes hyper potions. Mes potions max aussi, tiens. J'en ai pas besoin. La corde sortie, on la vend. J'ai encore 28 hyper balls. J'en ai pris trop. Je vais en vendre 20. Parce que finalement, je crois que bah, après la ligue, c'est la fin de la série. Et ouais. Parce que là, la série s'arrête après Blue. Parce qu'après, il n'y a plus aucun contenu. Un Nuzlocke, ça s'arrête toujours au maître de la ligue. Mais s'il y a une seconde ligue, faut que je la fasse. Et s'il y a du contenu endgame, je le fais aussi. Tout dépend de ce que c'est. Là, dans ces premiers jeux-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contenu endgame. Donc ça veut dire qu'après Blue, c'est fini. Bah du coup, je vais virer le rappel max, puisque je peux pas l'utiliser. J'ai rangé le rappel dans le truc pépite, évidemment. Le carbone. Bon, allez, CT, on s'en fiche. Tant pis. Ça fait un bruit chelou à chaque fois. Là, ça l'a pas fait. Super bonbon, je vais le garder. Total soin. Voilà, je vire tout, hein. Honnêtement, mes Pokémon sont déjà bons. Je peux toujours essayer, mais bon, si je me fais démonte. Voilà quoi.
D'habitude, je combats tous les dresseurs, mais là, j'avais vraiment envie de finir ce jeu parce que faut dire que je l'aime pas beaucoup. Bah, entre ce jeu-là et les jeux qu'on a maintenant, je préfère encore les jeux qu'on a maintenant. C'est beaucoup mieux. C'est pas parce que c'est beaucoup plus facile, mais c'est surtout parce qu'on a une plus grande diversité de Pokémon, on peut faire nos équipes favorites, etc. Et avec le truc des bases secrètes, on peut carrément créer nos arènes. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Parce que plus on nous laisse de choix pour la création de je sais pas, de maison ou autre, et mieux le jeu sera. Plus il nous laisse de la créativité dans Pokémon, et mieux ce sera. Quand je dis créativité, c'est pas toujours s'occuper de son équipe, etc. dans Pokémon, parce que sinon, au bout d'un moment, ça devient chiant. Mais aussi pouvoir s'occuper de, je sais pas, genre dans Lune et Soleil, t'achètes une baraque et tu la décores, enfin des trucs comme ça, quoi. Ça pourrait être pas mal, moi je dis. De rajouter en gros une partie les Sims, en gros de rajouter les Sims dans Pokémon, comme ça tu fais ta baraque, tu vas dedans, tu peux faire, je sais pas, tu peux faire une arène, un truc comme ça, genre t'achètes une tour, tu fais des étages comme tu veux. Ah, ça serait tellement bien ça, mais bon, une tour, j'imagine que tu vas dépenser un max de pognon. Ok, bah écoutez, vous savez quoi, je vais aller stocker Tagnon. Et on est parti pour la ligue. Je vais y aller tout de suite. Stocké. Toi, tu dégages. Et je retire la boule. Alors, sachez que j'ai plus aucun Pokémon disponible dans le PC. Ça va être ma ligue simple. Si je loupe cette ligue. C'est fini. C'est ça. Ouais. Là, c'est que des morts. Effectivement, c'est que des morts. J'ai pas les anciens Pokémon, mais vous savez quoi? J'avais oublié une chose. C'est que j'avais perdu mon ancienne sauvegarde. Donc, du coup, j'ai dû recommencer. Et il y a des Pokémon que je ne me souviens plus que j'avais. Donc, vous savez quoi? Si jamais je perds à la ligue, j'ai le droit de me recon... J'ai un joker parce que j'ai perdu des Pokémon avec la sauvegarde. Donc du coup, j'ai perdu certains Pokémon et j'aurai le droit de me reconstituer une équipe avec des Pokémon qui ne sont pas ceux qui sont déjà morts. Si jamais je perds à la ligue, ça veut dire que j'aurai une deuxième et dernière chance. Je vais sauvegarder. Quand même. Je me sens prêt là. Je me prépare. On est tous niveau 60. Je vais voir. Alors qui est le plus utile dans l'équipe que je lui donne le super moment? Qui est le plus utile? Ah tiens, oui, c'est vrai. Bah, les objets sont utilisés, hein. D'ailleurs, faudrait que j'en rachète. J'ai vendu plein de trucs. Faudrait que je rachète des guérisons. Faut que j'en achète plein, 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 plein. Faut que j'en achète un maximum. D'ailleurs, c'est vrai que les repousses et tout, je pourrais tout vendre maintenant. J'ai acheté tout ça pour rien, au final. C'est vrai. Qui sera le plus utile? Alors, Entei, il a du type poison. Et il est capable de rendre confus. C'est pas très, très utile dans la ligue. Cancun, il est de type insecte. Il a du type insecte, mais c'est pas très très utile dans la ligue non plus, parce que bon, il faudrait... Alors, déjà, je sais que la boule est capable d'utiliser des attaques psy, donc pour Aldo, vu que, faut pas déconner non plus que Ronflex, il est très puissant, il est overcheat, hein, pour la première génération. Donc, je peux rouler sur Aldo. Et éventuellement, Olga. Alors, pour Olga, il y a Cryptoo, c'est pas compliqué. Agatha, qui est de type spectre, bah, je pense que Ronflex peut aussi l'avoir. Puisque le type psy fait du 1 au type spectre, donc il n'y a pas de problème. TNT, ben justement il est type poison. Le type poison c'est mieux pour qui? Ah bah ben, c'est mieux pour Blue, puisque le Alakazam de Blue pourra se faire one shot par exemple. Après il y en aura d'autres évidemment. Le Lipoutou de Olga. À moins que j'ai sorti Crypto d'abord. Là je fais un petit débrief. Hein. Ben, Entei aussi il est type poison. Ça peut marcher aussi. D'ailleurs, mon TNT là, le jeu voulait absolument que je lui apprenne destruction et explosion. Je lui ai dit non. Non, ça passera pas.
Non, je compte pas le suicider. Bah, de toute façon, dans un Nuzlocke Challenge, ces attaques-là, elles sont bannies. Puisque le but du jeu, c'est pas de tuer ces Pokémon. Il me semble qu'elles sont bannies. Dites-le-moi dans les commentaires si Explosion et Destruction sont bannies dans un Nuzlocke simple. Mais il me semble qu'elles sont bannies. Parce qu'on n'a pas le droit de tuer ses propres Pokémon. Cascade, il est de type eau. C'est bon pour le Ptera de Peter. Alors, Peter, il a aussi un Onix, si je me souviens bien. Donc, c'est bon pour lui. Je sais que machin, le rival, il a un Rhinophéros. Donc, Cascade, il est bon. Je crois que Aldo a aussi des types roches sur lui. Donc, je crois qu'il a un Grolem ou un truc comme ça. Parce qu'il n'y a pas assez de type combat. Donc. Cascade sera d'une grande aide. Évidemment, Cascade sera d'une grande aide pour. Alors, lui, il a quoi? Lui, il a Florizarre. Mais Cascade sera d'une grande aide pour. Il me semble qu'il avait Arcanin. Donc, oui, ce sera une grande aide. Pour Florizarre, bah, j'aurais Cryptou. Cancun sera là aussi pour gérer Florizarre si jamais il y a un problème. Avec Darvenin ou je sais plus quoi. Franchement, ils sont tous plus utiles les uns que les autres. Je vais mettre le niveau à la boule. Parce que c'est quand même lui qui est capable de rouler sur les mobs. Alors, je vais aller vendre quelques objets. Et honnêtement, on fera la ligue dans le prochain épisode. Hein. Non, 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 non. Max repousse, je vais en vendre une vingtaine. Putain, c'est dommage que les flèches droite et flèches gauche ça marche pas, je suis obligé de monter comme ça. On va en vendre 22, tiens. Hyper potion. Ah oui, hyper potion, je voulais les virer. Puisque je les remplaçais par des guérisons. Bah, du coup, je vais acheter des guérisons. Dommage qu'il n'y ait pas les auras pour moins acheter. Acheter moins cher. Guérison, guérison. Où es-tu? Là. Ah, c'est dommage. Avec 69 000, je peux avoir 23 en plus. Ouais, c'est pas si rentable que ça. J'aurais peut-être dû garder mes hyper potions. Voilà. Donc là, j'ai plus d'argent. J'ai plus rien. Je pourrais très bien aller farmer quelques dresseurs pour gagner un peu plus d'argent et d'XP. Mais honnêtement, je pense qu'on est prêt. Pour le prochain épisode, et oui, on va s'arrêter là et on va faire la ligue dans le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à me suivre sur Twitter, à la partager, à la mettre en favori, à la commenter, bref, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour peut-être, je l'espère, clôturer cette série, du moins cette saison de Génération Pokémon. Allez, tchuss tout le monde!